Et je le fais pas. J'ai trop peur de pas y arriver. Si seulement j'avais confiance en moi. Comment cultiver la confiance en soi? Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Oulepsir, thérapeute, coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel, qu'on appelle aussi syndrome de l'épuisement professionnel ou encore burn-out en anglais. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir et vous sentir bien dans vos baskets. Aujourd'hui, je vous parle de confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose que tout le monde recherche, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Et vous êtes nombreuses à me consulter pour ça. Tout le monde veut se sentir à la hauteur, à l'aise, se débarrasser des doutes, de cette petite voix intérieure qui tire vers le bas et de libérer son plein potentiel. Il y a des personnes chez qui la confiance en soi peut paraître innée, mais en réalité, elle se cultive. Et plus vous allez la cultiver, plus elle va se développer. Pour savoir comment développer votre confiance en vous, restez avec moi. Avant d'entamer le sujet, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube Se libérer du stress et du burn-out et à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram Soraya Oulepsir dans lequel je suis active tous les jours. Tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est votre capacité à croire en vous, en vos compétences, et elle se développe grâce à l'expérimentation. C'est-à-dire que plus vous allez expérimenter des choses qui vous font peut-être peur ou que vous pensez ne pas pouvoir réussir, plus vous allez la développer. Et plus vous allez la développer, plus vous accéderez à votre potentiel, à vos compétences, mais aussi à votre intelligence émotionnelle et à votre intuition. Alors pourquoi y a-t-il des personnes qui ont plus confiance en elles que d'autres? Cela dépend du modèle que vous avez eu lorsque vous étiez enfant et de votre éducation. Je m'explique. Vos parents avaient eux-mêmes un déficit de confiance en eux et il est normal que vous manquiez vous aussi de confiance puisque vous n'aviez pas de modèle d'exemple à suivre. Comme vous le savez, les enfants apprennent de leurs parents, ils sont leur miroir. Et ce n'est pas de leur faute non plus, puisqu'un parent ne peut enseigner que ce qu'il connaît. Ça peut aussi venir du fait que vous soyez de nature introvertie et que vous n'ayez pas été suffisamment poussé, encouragé pour sortir de votre petite coquille. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas irrémédiable, la confiance en soi se travaille, elle se développe, se cultive. Il y a deux éléments qui ébranlent la confiance en vous. Cela peut être des choses ou des événements qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Il est donc important de savoir les identifier. Le premier élément qui vient parasiter la confiance en vous vient de l'intérieur ou de l'extérieur. L'élément extérieur peut être des lieux dans lesquels vous ne pouvez pas être pleinement vous-même parce qu'il y a des codes imposés par la société à respecter et avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, ou encore des personnes toxiques qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Des personnes pleines de peur, de croyances limitantes et qui vous freinent dès que vous voulez faire quelque chose en vous transmettant leurs peurs ou leurs croyances. Il est donc important de quitter ces lieux et de faire le tri dans votre entourage. De la même façon que vous allez éliminer la malbouffe, par exemple lorsque vous allez décider d'avoir une alimentation saine, vous allez prendre de la distance avec les personnes qui fragilisent la confiance en vous et vous tirent vers le bas. Si vous êtes entouré de personnes pleines de peur qui vous freinent en vous transmettant leurs peurs et leurs croyances limitantes dès que vous avez cet élan pour vous mettre en action, vous ne pouvez pas avancer. Ce sont des peurs et des croyances qui leur appartiennent et non pas les vôtres, sauf si vous décidez d'y croire. La deuxième chose dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur l'estime de soi, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, vous trouverez le lien sous cette vidéo et puis elle apparaîtra à la fin de cette vidéo, c'est le niveau d'exigence que vous vous imposez. Ce niveau d'exigence vient peut-être du fait que vos parents étaient très exigeants envers vous, parce qu'ils sont aussi très exigeants envers eux-mêmes,
Ou alors, ils ont été tellement protecteurs qu'ils ne vous ont pas laissé l'occasion de faire vos propres expériences. Ils vous ont plutôt orienté ou fait à votre place, ce qui vous a empêché de développer vos compétences et de libérer votre plein potentiel. Il peut y avoir aussi le fait que vous vous comparez à vos proches ou à des personnes de votre entourage qui vous semblent plus brillants et vous vous sentez peut-être nul par rapport à eux, alors que c'est complètement faux puisque vous êtes unique, que vous avez votre propre personnalité et sûrement des compétences et des facilités que ces personnes n'ont pas. Prenez donc le temps d'observer vos compétences, de les développer et de faire ce qu'il vous plaît et non pas ce qu'il plaît aux autres. Cette exigence envers vous-même vous bloque parce que vous doutez. Vous avez peur de mal faire, de décevoir, et si vous avez peur de mal faire et de décevoir, vous ne pouvez pas expérimenter et donc développer la confiance en vous. Donc pour mettre de côté vos exigences, vous allez vous autoriser le droit à l'erreur, car la confiance en vous passe par l'expérimentation et c'est en faisant des erreurs. D'ailleurs, j'ai même pas envie d'appeler ça des erreurs, mais plutôt des leçons. Et donc grâce à ces leçons, vous allez apprendre à améliorer et acquérir la confiance en vous. Alors concrètement, comment cultive-t-on la confiance en soi? La première chose à faire est d'avoir pleinement confiance en vous, en votre jugement, sans chercher l'approbation des autres ou de vous préoccuper du regard des autres. Car dans ce cas de figure, la confiance en vous dépendrait des autres et elle serait beaucoup trop fragile. Il est donc important d'avoir confiance en vous par vous-même et de vous détacher du jugement des autres, car si le jugement des autres pèse trop lourd dans la balance, ça vous freine dans votre élan et ça vous empêche de tester vos capacités, d'avancer, d'avoir confiance en vous. Soyez vous-même, faites confiance à votre intuition. La deuxième chose est d'apprendre à vous connaître. Connaître vos capacités et toutes les ressources dont vous disposez pour faire les choses. Et s'il y a des insuffisances, des lacunes, cela ne devrait pas être un point bloquant puisque vous êtes tout à fait capable de les développer pour atteindre vos objectifs. La troisième chose est de stopper net vos peurs. Il faut savoir que d'après l'étude de l'INSEE, seulement 8% de nos peurs sont fondées. Le reste est le fruit de notre imagination. Cette peur vient du fait que vous vous projetez peut-être de façon négative, vous fabulez en vous disant « Ouh là là, je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile ». Ou alors vous vous reconnectez à une peur du passé, une expérience négative que vous auriez eue et vous vous focalisez dessus. En résumé, la confiance en soi est un muscle qui se travaille tous les jours grâce à des petits challenges quotidiens que vous pouvez mettre en place pour avancer pas à pas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous trouvez des difficultés pour avancer et à développer votre confiance en vous, vous pouvez me contacter pour en discuter. Avant de me quitter, pensez à partager cette vidéo afin qu'elle soit utile à votre entourage. Abonnez-vous à ma chaîne Se libérer du stress et du burn-out. Activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Likez, dislikez et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je suis active tous les jours. Je vous rappelle que vous trouverez le lien du quiz pour évaluer votre niveau de stress dans le descriptif sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao !